hôpitaux hostiles actifs. Hey yo les petits potes, c'est Rookie. Du coup, aujourd'hui, petit gameplay avec la Bruen, la fameuse Bruen, cette OG que l'on utilisait déjà sur Warzone 1. Et en fait, la Bruen MK9, il y a récemment un kit de conversion qui est sorti, qui est le Jack Shadow Titan, et qui permet en fait de la modifier un peu en tant que fusil d'assaut. Donc ça c'est du coup le kit en question et en fait ça comporte un silencieux intégré et du coup voici les stats. Alors on perd en vitesse de balle, on perd en portée des dégâts, par contre en termes de mobilité, de vitesse de rechargement, etc. et un peu aussi au niveau du recul, on gagne énormément. Donc en fait c'est une arme qui devient beaucoup plus mobile et qui je trouve se prête très très bien à Rebirth Island, puisqu'elle a une cadence de tir qui est quand même incroyable. En revanche, sur Resistance, sur le long combat, je suis pas sûr que ça soit terrible parce que elle perd en portée des dégâts et on peut pas jeter de canon ni de bouche. Voilà, ni de munitions, ni de chargeur d'ailleurs. Donc en fait, moi pour le reste des accessoires, j'ai mis la poignée sous terre Bruen pour le contrôle du recul. Un laser Kimura pour augmenter la vitesse de visée. Le réflexe Carter classique pour le viseur, mais ça vous mettez celui que vous voulez, moi c'est vraiment mon viseur en ce moment. Et après il y a poignée arrière ou cross, moi j'ai opté pour la cross tour 56 pour gagner en mobilité un peu aussi. Et en termes de recul, franchement c'est largement contrôlable. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay et je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.